Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hauteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on est parti pour regarder les armures font, enfin pas font, mais combien ont les armures au max, parce que beaucoup ne savent pas. Mais par exemple pour l'armure de soldat, donc c'est du 28 sur chaque, donc ça fait du, 60, non, du 84 logiquement. Pour l'armure ilienne, vous avez que du 20, donc ça vous fait du 60. Donc voilà, donc je vais faire ça sur toutes les armures. Donc voilà, vu que j'ai fini toute l'amélioration des armures. Donc il me semble que ce genre de tenues là obtiennent donc des bonus lorsque vous l'améliorez aux 2 étoiles ou un truc comme ça. Donc normalement ça doit être ça. Là on est sur du 16, hein. Tout ça. Il y en a certaines du coup on peut pas les améliorer. Celle-ci elle est pas mal, elle fait du 84. On a aussi celle-ci pour faire du coup du... Non, c'est avec ça du coup. Ah oui, du 84 plus avec un petit bonus. Donc ça, c'est vraiment la meilleure armure possible dans le jeu. Non, non, la meilleure armure, c'est celle-ci. Ça, c'est vraiment la meilleure armure. On est sur du 88. Donc ensuite, vous avez les bijoux. Vous avez ici du 20 et 20. Et ensuite, du coup, on passe aux amiibo. Et... aux profondeurs, parce que celle-ci c'est quoique celle-ci c'est pas des profondeurs non plus, celle-ci oui, et après les autres c'est que des amiibo ou aussi dans les profondeurs. Mais par exemple celle des Landes, on peut pas la voir avec les amiibo. Donc pareil, toutes ces tenues je les ai faites en vidéo. Donc si vous voulez les avoir, n'hésitez pas à checker la chaîne dans les playlists, il y a toutes les armures, enfin les tenues et tout. On est la première chaîne française de contenu d'astuces et tout ça. Donc si vous voulez plus en savoir plus sur votre jeu préféré sur Zelda TOTK, donc n'hésitez pas à checker. Donc voilà, après on est sur du 20, ici on est sur du 28, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait du 84. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite information, ça coûte très cher en gemmes. J'étais, il me semble, à 740 000, je suis à 680 000, donc ouais, ça coûte super cher. Et en termes de ressources, bah pareil, c'est juste hallucinant. Juste pour, par exemple, je crois que c'était celle-ci, celle-là ou un truc comme ça. Il me semble que pour juste la tunique de temps, ou les autres, là, je sais plus c'était lesquels pour l'ambre, mais il fallait plus de 100 ambres faciles. Sur un bout de tenue, c'est à dire qu'en gros vous devez vraiment farm à fond. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, n'oubliez pas de cliquer. Allez, ciao.